My face above the water. My feet can touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away. It feels like I'm drowning, pulling against the stream. Water. My feet can't touch the ground, touch the ground. It feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Je vous propose un circuit training comme l'an dernier. Ça vient vous défoncer. It feels like I'm drowning, pulling against the stream. Même si vous faisiez un exercice, c'est pas grave du tout. Hein, vous reprendrez en replay, puisque là, c'est bon, vous pourrez le refaire en replay. Voilà. Vous avez besoin d'un bâton ou d'un manche à balai. Si vous n'en avez pas, et bien c'est pas grave. On pourra très bien faire le mouvement avec les mains sur les épaules, par exemple. Voilà. Donc, je vous rappelle un peu les. Voilà, bonjour à toutes, voilà, ça se connecte. Circuit training, donc on va aller commencer par un entraînement. Et ensuite, un entraînement, et puis vous pouvez vous donner. Avec un temps de travail, et avec un temps de différence. I wish I could make it easy. Dans mon travail général. Easy to look me, love me. Still I reach, find a way. Stuck here in between, I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Donc je répète, basket-pied, bâton. It feels like I'm drowning, pulling against the stream. Donc là je vais commencer par le mouvement. Et on se place. I need it.
Yeah.
Thank you.
Good luck.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Allez, et retenez le mouvement à la descente.
Encore. My face above the water. Allez, courage, après c'est les fentes, les squats, pardon. J'ai déjà fait les fentes, je sais, j'en fais plus. Droite, gauche, allez, on reste un petit peu. Statique, on revient milieu. De l'autre côté, on revient milieu. Et vous, allongez vos jambes, levez la tête. Super, allez, on remonte tout doucement. Tranquillement, on se lève. Ici. Je vous montre, debout, les épaules, lâchez les épaules. Alors les pieds, ça peut être serré pour celles qui veulent, c'est plus difficile. On va descendre, on serre bien les cuisses, on serre bien le ventre. Et on remonte. Sinon, largeur de bassin, d'accord ? Allez, vous êtes prêts ? Alors, moi je vais serrer. Voilà, on inspire et on remonte. Choisissez. Deux. Allez. Trois. Énergie, hein. Quatre. On se grandit. Cinq. On tractait les fessiers en longtemps. Allez, plus bas. Bien les cuisses, l'intérieur, et on bouge plus. Allez, baissez les épaules et vous remontez. Super, très très bien. Allez, on termine avec les fessiers au sol. Donc vous vous rappelez, on va d'abord travailler sur les côtés, puis sur l'arrière, et enfin le gainage pour finir. Donc venez vous placer ici, bras tendus, dos aligné avec le tapis ou main sous la tête. Les pieds parallèles, la main vers l'abdomen, et c'est parti. Allez, énergie. Soufflez. Allez, on serre. Allez, dynamique. Oui. Allez, encore. Soufflez bien les poings. À votre rythme. Voilà. Trois. Ok, la petite cerise. Allez, petit. 4, ça sonne, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, si on veut. 9, on bouge plus. On lève bien les épaules. Allez, le petit bonus. Et vous remontez. Remontez sur le côté. Et changez. Voilà, vous avez le temps. Vous vous allongez. Vous choisissez la position qui vous convient. La main en appui devant. Allez, on inspire. On rentre bien son ventre. I need it now.
California Day.